Enquêteur. Plasnon, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is back in session. Reprise de l'audience. And representative for civil parties have the floor now. Le représentant des parties civiles à la parole. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le témoin, thank you, witness, for answering a question I'm going to put to you. I would like, vous avez reconnu tout à l'heure, vous avez expliqué what you explained que lorsque earlier, which is on était venu vous chercher, votre femme et votre enfant pleuraient. Parce qu'en général, si on emmenait les gens à la pagode, on les exécutait. Mais vous, en fait, pagoda, c'était pour vous recruter comme milicien. Est-ce que vous êtes d'accord? So do you agree with that? Je n'ai pas le français du tout. Mein Action Touch Lautek, Action Touch Jyoti. I was told that I would become a soldier or a military man. Soldat. Non, de l'armée militaire. Vous nous avez également dit. Microphone pour l'orateur. Merci. Vous nous avez également dit que vous avez eu très peur lorsque deux armes, deux soldats, avaient pointé leurs fusils sur vous alors que vous étiez, je crois, dans la rizière, parce qu'ils pensaient que vous étiez Cham. Because they thought that you were Cham. Answer. They said I was Cham, and they pointed their guns at me, and then I heard people say I was Khmer, not Cham. I was so afraid at that time, and I was even, you know, releasing myself in the field. So had you been Cham? Si vous aviez été Cham, que vous serait-il arrivé? What would have happened to you? President, Mr. Witness, do not need to respond to the question because it is a hypothetical question. De répondre, c'est une question hypothétique. Pourquoi avez-vous eu tellement peur que l'on vous prenne pour un Cham? Of being taken for a Cham. Bu khyom chu dai chmuoy Cham. At that time, I was plowing the field with Cham workers. À cette époque-là, j'étais en train de labourer le champ. While I was collecting the grass and carrying it on my head, they pointed the guns at my neck. And I was so afraid at that time. I told them that I was not Cham, I was a Khmer person. After hearing that, they went away. Est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque, back then, c'était vraiment très dangereux d'être Cham? It was very dangerous to be Cham. Réponse. If I had been a Cham person, si j'avais été Cham, I would have been in the same situation as Cham people had. J'aurais été dans la même situation que les Cham. Nous avons rappelé tout à l'heure. Excuse-moi. Nous avons rappelé tout à l'heure les gens que vous connaissiez, que vous aviez vu entrer à la pagode. Il y avait votre frère adoptif. I'm looking for his name now. Il y avait votre cousin. Your cousin as well. Et vous nous avez également dit que
vous pensiez qu'ils avaient été exécutés. Est-ce que ces gens étaient des voleurs ou des assassins pour être exécutés? Execution? Cette personne était innocente. He was not a part of the thief group. Alors, pourquoi, d'après vous, a-t-on emmené à la pagode pour les exécuter, des familles entières, comme les gens de votre famille, Tol, Limsrun, ton cousin Deus, Yuhor, avec des enfants aussi, s'ils n'étaient pas des criminels? If they were not criminals, why were they taken then to the pagoda? Please do not respond to that question because the witness is not entitled to draw any conclusion. Parce que le témoin n'a pas le droit de tirer des conclusions. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Je voudrais savoir si le témoin qui a vu des gens like entrer à la pagode a vu des gens sortir saw de la people pagode. Coming out of the pagoda since he saw people coming into the pagoda. Later on, I was not staying in the village. Après, je n'étais plus au village. I no longer stayed in my house. I was reassigned to work in the forest, growing pumpkins d'aller travailler dans la forêt and other vegetables. Et I was working in a cooperative and I would return home once a month. Je travaillais dans une I have no idea whether the prisoners were released from the death center afterwards. Quand vous étiez à la période où vous alliez manger à la cantine à côté de la pagode, est-ce que vous avez vu entrer des provisions pour les prisonniers? Est-ce qu'on a fait rentrer de la viande, des légumes ou du riz, puisqu'on avait fait entrer des prisonniers? Answer, no, I have never seen it. Je ne l'ai jamais vu. No, I have never seen. Non, je n'ai jamais vu ça. Quand on est venu vous chercher pour vous engager, est-ce que vous auriez pu refuser d'être une longue épée? Qu'est-ce qui vous serait arrivé si vous aviez refusé? What would have happened if you had refused to join the long sword unit? Please hold on, Mr. Witness. You have the floor now, Counsel Antaguise. Oui, Monsieur le Président, j'objecte à la deuxième partie de la question. Sur la première partie, pas de problème, mais sur la deuxième, problème. President, the objection is right. L'objection est fondée. Parties, rather, a witness is not entitled to respond to a hypothetical question. Counsel for civil parties, please make your question simple and short so that the witness can understand and provide the right responses. Et fournir la réponse adaptée. There is no benefit to contribute to the truth if the questions are too complicated. La manifestation de la vérité. Thank you, Mr. President. So I will rephrase my question. Est trop compliqué.
Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Je vais donc reformuler plus simplement. As I said, I will rephrase Est-ce my question que vous aviez in la possibilité terms, de refuser so, did you have the possibility de devenir longue épée lorsqu'on est venu vous chercher? Long, a member of the long sword unit when they came to look for you? I was reassigned to go and have a rise. I was not part of the long sort of group, but I was staying close to that group. And at that time, I was tasked with harvesting rice. I was not included in that so-called long sort of group. I would have died if I refused to go harvest rice during that regime. It was a dictatorship, said the witness, and I would have been killed if I refused the assignment. Est-ce que vous avez porté l'habit noir? Did you wear the black uniform? I wore normal clothes. Sometimes I wore black clothes, and on others, some occasion I would wear blue or light blue clothes. Quand vous habitiez dans la même région, puisque vous avez toujours vécu dans la même région, il y avait déjà beaucoup de populations cham dans les villages. Est-ce que les chams étaient plus riches que les autres Cambodgiens? Richer than the other Cambodians? What are you asking? You want to know whether cham people at the time were well off? Oui, je veux savoir si les chams étaient plutôt plus riches que les autres habitants du village. Other people in the villages. Answer, I have no idea whether Cham people are better off in terms of wealth. I did not know Cham people at the time. I did not know whether they had better living conditions than Khmer people at the time. Mais quand vous étiez jeune dans les villages, on pouvait déjà identifier les chams, puisque les femmes avaient les cheveux longs, ils portaient le foulard, et ils n'avaient pas la même langue. Donc, dans le village, vous deviez bien rencontrer des chams. You obviously met cham people. Please hold on, Mr. Witness. You have the floor now, Counsel Antagwise. J'ai un problème sur la manière dont ma consoeur pose ces questions. Avant de témoigner et d'expliquer comment reconnaître les chams, il aurait été peut-être plus judicieux de faire d'abord parler à le témoin et lui poser la question de comment on pouvait les reconnaître. C'est pour éviter que ce soit le conseil qui témoigne, que ce soit le témoin qui le fasse. In order to allow the witness to explain that to us, and not the counsel. Monsieur le Président, ça n'est pas la même question. Je n'ai pas demandé aux témoins quels étaient les critères d'identification des chams, dont on a déjà parlé à d'autres séances. J'ai posé une autre question, savoir si, effectivement, il y avait déjà des chams dans le village et s'il les connaissait, puisqu'ils avaient une identification publique. They obviously were clearly identifiable. សាកថាឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ
President, Mr. Witness, you are instructed to give the response to this question, Witness. There were no Cham people in my village before the Khmer Rouge period. Avant la période des Khmer Rouge. I had not known any Cham people before that time because the Cham people were living in a village different from mine. Qui n'était pas le mien. Est-ce que les Cham qui sont arrivés dans votre village sont donc arrivés comme réfugiés d'autres régions et peut-être de Phnom Penh? Other regions or maybe even as refugees coming from Phnom Penh? I do not know whether they were from Phnom Penh or from elsewhere. Réponse, je ne sais pas s'ils venaient de Phnom Penh ou d'ailleurs. Counsel Kung Som-on, so I would like to suggest a lawyer for civil parties to specify the time period. It is not clear to the witness in Black Khmer. Pour le témoin en Khmer. Je remercie les avocats de la défense de me donner des processus pour poser des questions, mais je considère que j'ai la liberté de poser mes questions telles que je les pense. Et ma référence est très précise. C'est, dans certains cas, avant ou après le régime du Kampuchea démocratique. Monsieur nous a répondu qu'il n'y en avait pas dans son village avant, qu'ils étaient dans un autre village. No chums in his village je vais before, lui poser une autre question. In another village. So I'm going to put another après question to him. La prise de Kampong Cham, the capture of Kampong Cham, est-ce que vous avez été inquiet par l'arrivée des nouveaux réfugiés dans votre village? New refugees arrive in your village. No worry for me at that time. Je n'avais aucune inquiétude à l'époque. I did not know at the time why they were sent parce into my village. So I had no worries. Donc je n'étais pas inquiet. Vous nous avez dit qu'au moment des Khmers Rouges, la vie avait été très dure pour vous regime, et que vous n'aviez presque you, rien à manger. Est-ce que vous n'avez pas pensé so que ces réfugiés Cham qui arrivaient en Cham plus dans le village allaient aussi manger les grains de riz, les peu de there, provisions que the, vous aviez à manger? Est-ce que cela vous a inquiété? I had no worries at that time. Je n'avais pas d'inquiétude à l'époque. I was under the regime's hands, j'étais entre and les I was régime. Not the one who organized et ce n'était pas moi qui organisait the food supply or anything at all at that time. So it depended on them, the regime leadership. Du régime, de la direction du régime. Pourquoi alors avoir eu tellement peur quand les miliciens, les soldats, ont pensé que vous étiez Cham? I could not get your question about the Cham people that I was afraid of, so could you ask it again? Non, je n'ai pas dit que vous aviez peur des Cham. J'ai dit que vous aviez eu très peur quand les gardes vous avez mis les mitraillettes en pensant que vous étiez Cham. Pourquoi avez-vous si peur? So why were you so afraid then? Answer. If they confused me with a Cham person, I would have been killed.
s'ils m'avaient pris I pour would un be cham, killed if they thought I was cham. J'aurais été exécuté s'ils avaient pensé que j'étais cham. Je veux revenir so sur votre cousin like que vous avez vu emmené à la pagode quand vous étiez à la cantine. Vous avez vu aussi emmener Son Tol, son adoptif, Lindström, cousin, cousin, avec leur famille et les enfants, et un autre cousin qui s'appelait Yuhor. Est-ce que being eux, taken away? Ils étaient cham? So were they cham? Answer, they were Khmer people. Ils étaient Khmer. Alors, pourquoi ont-ils été emmenés so à la pagode were they then taken away to the vous pagoda, avez dit vous-même qu'ils ne sont jamais revenus that they, never returned. Witness, I do not get your question, counsel. Pourquoi ont-ils été emmenés à la pagode s'ils n'étaient pas cham? If they were not cham? Answer, I do not know, counsel. I do not know why, why they were arrested. Ils ont été arrêtés. I was shocked. And surprised to see my relatives de voir, were arrested. Que les membres de ma famille I do not know why. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez vu aussi d'autres familles avec des femmes, des enfants entrer dans la pagode. Est-ce que les autres, on pouvait être sûr qu'ils étaient cham? Was it possible to know for sure that they were cham? While I was having meal, tandis que je prenais mon repas, I noticed there were Khmer people. Qu'ils étaient Khmer, ou qu'il y avait des Khmer. My correction, I was having watery gruel at that time. Plutôt, j'étais en train de prendre une soupe. Khmer people, I would see Khmer people et je voyais being des Khmer. Vous avez vu les Khmer et les Cham rentrer par la pagode et vous avez su qu'ils étaient exécutés dans la pagode. President, please wait, witness. You may now proceed. Counsel, come some on. I have heard the statement of this witness earlier, and my objection is that the question is repetitive. Mr. President, could you please look at the time? It has been 20 minutes already from the beginning of the first session this afternoon, and I may have additional time to put question to this witness. President, yes, it is now time. So you have no more time, lawyer for civil party, because you spent 20 minutes already. President, you have no more time. Please be seated. Judge Lavange, do you have any questions to put to this witness? You may not proceed if you have questions. Oui, merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. J'ai effectivement quelques questions have a few questions à poser à ce témoin. This witness. Monsieur, j'ai compris de votre déposition que pendant la période du Kampuchea démocratique, vous avez été menacé avec des armes à deux reprises. Twice with weapons. Une première fois, mais je ne sais pas si the c'est dans l'ordre chronologique, or once, parce que on a suspecté que vous étiez cham. You were suspected of being cham.
Et vous avez dit qu'il y avait d'autres chams qui travaillaient ce jour-là avec vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quand cela s'est produit et où cela s'est produit et qui vous a menacé? The work site was located at Spin O Gandao. I was ploughing the field at that work site. Sur ce site. I have told the chamber already, I was assigned to harvest the grass and then brought the grass for the cows to eat. At that particular point in time, they pointed the gun at me and asked whether I was Cham. I replied, I was a Khmer person, and after hearing this, they went away. I could not even see clearly those persons' faces at that time. Vous n'avez pas vu le visage de ces personnes. Est-ce que vous êtes renseigné pour savoir qui étaient ces personnes? Answer. I do not know who they were. They were young children. Ils étaient jeunes, des enfants. J'ai bien compris, monsieur, mais quand on se retrouve braqué avec une arme, je pense qu'il est légitime d'essayer de comprendre qui vous a braqué. Est-ce que vous avez posé des questions? Est-ce que vous avez cherché à savoir qui vous avez pointé avec une arme? Did not ask them at the time. Je ne leur ai pas demandé sur le they moment. Went away very quickly after I told them. Une fois que je leur ai dit que j'étais clair. Bien, monsieur, vous n'étiez pas tout seul dans ce champ. Okay, but you were not alone in this. Est-ce que vous avez demandé aux personnes qui étaient autour de vous si elles avaient reconnu les jeunes gens qui portaient ces armes? Est-ce que vous avez posé des questions ou est-ce que ça vous était complètement égal? This didn't really matter at all for you. A witness. The interpreter could not hear the full answer from the witness. L'interprète n'a pas entendu la réponse complète du témoin. Witness. Le témoin poursuit. I did not ask my co-workers at that time because my co-workers were coming late. Arrivé en retard. Behind me. Derrière moi. And I was tending cows under the tamarind tree. Sous un tamarin. So I was there alone while j'étais I was while I was threatened with the guns. Au moment où on m'a menacé. Monsieur, si j'ai bien entendu correctement ce que vous avez dit, vous avez dit qu'il y avait des chams ce jour-là dans le champ. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui était arrivé aux chams qui étaient avec vous dans le champ? What happened to the chams on that day who were with you in the field? Yes, in fact. There were Cham people working with me, but they were harvesting grass at that time. They did not come at the same time as me when I was there and threatened. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce que ces Cham, qui apparemment étaient des vrais Cham, ont subi quelque chose? Did these Chams, who were apparently genuine charms endure anything? Did anything happen to them? Later on, I left par la suite, je suis the parti. Place where the cows was under the tree. J'ai quitté l'endroit où les Cham people were arrested at the bridge. Les it was about over 100 meters away from where I was harvesting the grass. There were Cham people, there were Khmer people working together. Qui travaillaient ensemble.
Donc les chams ont été arrêtés. Combien de chams ont été arrêtés? Et à quel moment cela s'est-il passé? Answer. They were arrested after lunch, perhaps. Ils ont été arrêtés après le déjeuner. P.M. Peut-être après midi. Je vous demande pas à quel moment dans la journée. Je vous demande à quel moment. Est-ce que c'était c'était au moment où Wat Otrakon avait été transformé en centre de sécurité? C'était en 75, c'était en 76, c'était en 77, c'était juste avant la fin du régime du Kampuchea démocratique. Quand est-ce que c'était? Was it shortly after the end of the democratic Kampuchea regime? When was that? I cannot recall it. I do not know as to which year that happened. Je ne me souviens pas en quelle année cela s'est produit. I apologize, Your Honor. Je suis désolé, I cannot recall it. Je m'en souviens. Eh bien, je vais vous demander de faire des efforts, monsieur, parce que ici nous avons besoin d'informations précises. Tout à l'heure, monsieur, vous avez dit que quand on vous a arrêté, on vous a pris pour un cham, que vous avez dit que vous n'étiez pas de cham, et vous avez également indiqué que d'autres personnes qui étaient présentes ont dit que vous étiez khmer. Donc quand vous dites que vous étiez tout seul, c'est incohérent avec les précédentes déclarations que vous avez faites. Alors, est-ce que oui ou non, il y avait d'autres personnes avec vous, près de vous, quand on vous a menacé avec une arme? C'est le groupe qui était venu m'arrêter. C'est ce qu'ils ont dit. Le président, la parole est à maître Consamond. Consamond. La défense. I listened to the summary provided by Judge Laverne. J'ai écouté le résumé des propos que vient de faire le juge. The witness was asked whether he was jammed. On a demandé au témoin s'il était jammed. And he replied that he was jammed. He was not jammed. Il n'était pas jammed. However, through what I have heard so far, no other witness ever said about them being Khmer person. Pour dire qu'il était Khmer. And to my understanding, it was him who actually answered the question put to him by those who made the arrest. Qui avait posé la question que ceux qui étaient venus l'arrêter, le président. You can note down the response by the witness, and you can ask for a clarification letter when it is your turn. I think this is a standing practice in this court. And Judge Laverne, you may continue. Interrupt Counsel Consamon. Your Honor, this is a summary of the fact, and if it is not proper, it may mislead si the witness. Il y a des erreurs, cela pourrait induire le témoin en erreur. President, even if there is the case, you should note it down, and si when it is your turn, you can seek clarification parole, from the witness. Du témoin. Bien. Je précise aussi qu'il y a des transcripts et que ces transcripts ils servent à vérifier ce qui a été dit au cours des audiences. Monsieur le témoin, au moment où ces faits se produisent, vous êtes déjà, vous avez déjà été enrôlé comme militaire ou milicien. Quel est votre statut à ce moment-là? Est-ce que vous êtes un citoyen ordinaire? At the time, were you an ordinary citizen? At that time, I was an ordinary civilian. À l'époque, j'étais un civil ordinaire. Bien. Donc, à l'époque, vous nous dites que vous travaillez à Pim O'Kandal, si j'ai bien noté. Ça se situe à combien de... À quelle distance de Wat Otrakon, de Sambo, Meat? À quelle distance se situe? What was the distance?
from Sambomeha village to Okondao. The distance was less than 20 kilometers. C'était moins de 20 kilomètres. However, it was over 10 kilometers. Mais c'était plus que 10. À ce moment-là, quel était votre domicile? Où habitiez-vous? At the time, what was your domicile? Where were you residing? My house was located in Sambomeha. Ma maison était dans Sambomeha. Je n'ai pas très bien compris les différents domiciles que vous avez pu avoir, monsieur. Vous avez dit à un moment que vous avez dû quitter votre maison à Sambomeha. Vous avez dit que vous êtes allé à Pimchikan. À quel moment êtes-vous allé à Pimchikan? When did you go to Pimchikan? My apology, Your Honor. Je présente mes excuses, Monsieur le Juge. After 1979. Après 79. Due to the security presence in Otrokun, and after I crossed the river from the other side, that is after my visit to my family and my children, I heard a rumor that the Pol Pot group re-entered the area. For that reason, I relocated my family to Pimchikan, and that happened in 1979. However, we only stayed for a few nights during that period. À ce moment-là. And in 1977, we were relocated once. Nous avons été transférés However, une fois. The relocation area was not far from my Mais original residence. It was about 700 meters only. Environ 700 mètres de And mon at that time, d'origine. I was sick for a few months. Et à ce moment-là, j'ai été malade pendant quelques mois. Donc, si je comprends bien, pendant toute la période du Kampuchea démocratique, votre domicile a toujours été dans la, dans la commune de Sambomeha. Aujourd'hui, vous n'êtes plus domicilié dans cette commune. Depuis quand l'avez-vous quitté? Since when have you stopped residing in that commune? At present, I'm living in Sambomeha. J'habite dans Sambomeha. There is in Sambomeha village. Dans le village de Sambomeha. La deuxième, le deuxième épisode où vous êtes retrouvé menacé avec une arme, c'est lorsqu'on a essayé de vous enrôler de force. Alors, vous avez dit dans votre procès-verbal d'audition que vous avez fait partie du groupe des longues épées. Aujourd'hui, vous me dites que vous n'en avez pas fait partie. Quelle est la vérité ? Je ne faisais pas partie du groupe, mais j'habitais proche de là où I ils only étaient. Stayed there for 2 months, and mais then je me suis I was dissolved mois. Due to Puis my ensuite, not so good biography. Since car j'avais une biographie about 20 of my family relatives had been smashed. Des gens de ma famille avaient été écrasés. So I stayed there for about 2 months, then I was sent to Kohto. That's when I just said, when I had to cross the river to live at the other side, and I remained there until the fall of the regime in 1979. Pourquoi vous retire-t-on d'un groupe si vous ne faites pas partie de ce groupe? Why would they withdraw you from a group if you are not a member of that group? Vous dites, je ne fais pas partie du groupe des longues épées. J'ai quand même habité avec eux pendant 2 mois. Et ensuite, on m'a retiré du groupe. Donc si on vous retire du groupe, c'est que vous en faites partie.
If you were withdrawn from ou alors je me trompe, group, je n'ai rien compris. It means that you were a member of the group. Or am I mistaken? I was withdrawn from the group because of my tainted background that some of my relatives have been smashed. For that reason, I was not allowed to stay at the rice band anymore and I was relocated to work in the rice fields. À la grange, et c'est pourquoi on m'a envoyé dans la rizière. Monsieur, on vous retire de quel groupe? Sir, you were withdrawn from which group? I was withdrawn from the task that I was assigned to get the rice band and reassigned to plant the rice fields at the cooperative at the Cortot. Et quand vous montez la garde à l'entrepôt où il y a le riz, vous le faites en quelle qualité? Vous n'êtes pas citoyen ordinaire. En quelle qualité montez-vous la garde? Were you standing guard there? I was an ordinary civilian. I did not have any authority over the rice band. If they came to get the rice supply, they did it among themselves. I did not have any control over it. Donc un simple citoyen chargé de monter la garde, quel était votre rôle exact, monsieur? Task with standing guard. What was your exact role, sir? I was an ordinary civilian. J'étais un civil ordinaire. Un civil ordinaire qui faisait partie d'un groupe inconnu dont on l'a retiré. Puisque, si j'en comprends bien, vous faisiez partie d'un groupe de civils ordinaires. Because from what you are saying, you are a member of an ordinary group of civilians. I was withdrawn from carrying out the task at the task of guarding the rice band, not from being a member of the longsword group. Mais pas avec le groupe des longues épées. Bien, revenons à ce deuxième incident où vous vous retrouvez menacé avec une arme et on vous dit de rentrer dans un groupe. On vous demande de faire quoi exactement? What were you asked to do exactly? When the gun was pointed at me, quand on m'a it was by the time that I was ordered to become a soldier. Next morning, they came to take my biography. They asked me to detail all the numbers of my relatives, close and distance. Les détails, and after that, they walked away. Y compris la famille éloignée, et ensuite ils sont partis. They did not say anything much after they took down my biography. Ils ont they simplement left. Pris note de ma biographie et sont partis. On vous a demandé quoi? On vous a demandé de rejoindre quel groupe? Pour faire quoi? Which group? Ce matin, si j'ai bien entendu, vous avez dit qu'on vous a demandé d'aller travailler la rizière. C'est ça ce qu'on doit comprendre? Vous êtes retrouvé pointé avec une arme parce qu'on vous demandait d'aller travailler à la rizière. And you found yourself being threatened with a weapon because they wanted you to go and work in the rice farm. Before I was walked by the people, I was actually working in a pond nearby the village. And then they pointed the gun at me. Ensuite, ils ont pointé les fusils. Bien, alors revenons à ce moment-là, on pointe le fusil sur vous, on vous demande de faire quoi? D'être soldat pour faire quoi? They pointed a gun at you, and after pointing the gun at you, they wanted you to do what? To become a soldier to do what?
they did not say anything. Non, ils n'ont rien dit. They said that they wanted me to be a soldier. Ils voulaient que je sois soldat. Et donc, pour vous demander si vous voulez bien être soldat, ils pointent le fusil sur vous. Ask whether pourquoi? You should become a soldier or not. They pointed a gun at you. Why? Man. Monsieur, en général, on pointe les fusils sur les gens qu'on veut arrêter. Sir, generally, guns are pointed at people. Est-ce que ce jour-là, on a aussi cherché à vous arrêter? Did they also try to arrest you on that day? They brought me to the commune and left me there overnight. Ils m'ont laissé là, passer la nuit. And next morning, questioned me about my biography. Posé des questions au sujet de ma biographie. Qui sont ces îles? Qui vous a conduit à la commune? Qui vous a posé des questions sur votre biographie? Who led you to the commune? Who put questions to you regarding your biography? Est-ce que ces personnes appartenaient au groupe des longues épées? Were those persons members of the long sword group? Un dépôt. No, they were they belonged to the Southwest group. C'était des gens du groupe du Sud-Ouest. And the person who questioned me was from the district. La personne qui m'a posé des questions était du district. Est-ce que vous vous souvenez qui étaient les responsables de la commune de Pingchikang? Do you know who were the officials of Pingchikang commune? I do not know the commune chief. Je ne connais pas le chef de commune. Est-ce que le nom de Phippe vous dit quelque chose? Does the name Phippe mean anything to you? Une dame qui s'appelait Phippe. A woman called Phippe. P-H-E-A-P. P-H-E-A-P. Qui était l'épouse d'un dénommé Khan. Est-ce que ça vous dit quelque chose? And was the wife of a person called Khan. Does that ring a bell to you? Yes, I heard of the name, but oui, I never saw the person. I also heard of the name of that man, but I never saw him. Je ne l'ai jamais vu. Bien, revenons au repas que vous preniez à la cantine de San Bomeas. Si je comprends bien, vous avez pris ces repas, cette cantine, pendant pratiquement toute la période du Kampuchea démocratique. Est-ce exact? Your meals in that canteen throughout the period of democratic Kampuchea? Yes, I actually had my meal there at the dining hall throughout the period c'est of the regime. Là que je mangeais tout au long de la période du régime. Alors, si j'ai bien compris aussi ce que vous avez dit ce matin, now, vous avez dit que vous avez simplement morning, remarqué l'arrestation de peut-être à deux ou trois reprises de deux ou trois personnes accompagnées par quelques enfants, mis à part le cas de l'arrestation des membres de votre famille. Est-ce que c'est bien ce que l'on doit comprendre ou est-ce qu'il y a eu plus d'arrestations? What you have just said is correct. Ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il vous arrivait, monsieur, quand vous déjeuniez à la cantine de San Bomeas, d'être dérangé par des odeurs nauséabondes? Were you bothered by nauseating smells? No, I was not, because where I was rather far from the pagoda compound. Vous pouvez nous rappeler où était située la cantine par rapport à la pagode? Can you tell us where the canteen was located in relation to the pagoda? The dining hall was located near the road, within the vicinity of the riverbank.
qui n'était pas loin de. And from my estimation, it was about 400 to 500 meters from the pagoda. Eh bien, peut-être que Metson Haroun vérifiera sur les transcripts, well, mais il me semble que ce matin j'avais entendu que c'était à 50 mètres de la pagode. Mais j'ai dû me tromper certainement. But I believe I heard you say it was about 50 meters from the pagoda this morning. Perhaps I was wrong. Je voudrais également revenir sur ce que vous avez dit lors de votre audition devant les co-juges d'instruction. Vous avez parlé de personnes qui avaient été transportées par bateau, qui étaient prisonniers et qui étaient attachés. Alors ce matin, il m'a semblé comprendre que vous disiez que vous n'aviez plus le souvenir d'avoir vu des bateaux avec des prisonniers arriver à Saint-Bourg-Méas. Quels sont vos souvenirs précis concernant des prisonniers et des bateaux ? I do not know about people being transported by boat. Je ne sais rien de gens qui avaient été transportés par bateau. What I knew was that I saw people walked on the road. C'est que l'on a fait marcher des gens sur la route, mais je n'ai jamais vu des gens sur des bateaux. Document E3, bar 52-57, ERN en français, 00-34-26-66-67, ERN en anglais, 00-25-10-16, ERN en Khmer, 00-24-31-05. Question. Avez-vous vu qu'on arrêtait souvent des gens ? Réponse. Des fois oui, des fois non. Question. Combien de fois aviez-vous vu qu'on débarquait des prisonniers des bateaux ? Réponse. Une fois. Comment saviez-vous que c'était des prisonniers ? Réponse. On en avait parlé à la cantine. Question. Est-ce que ces gens étaient attachés ? Réponse, oui, on les attachait. Question, comment étaient-ils attachés ? Ils étaient attachés les bras en arrière. Question, étaient-ils des hommes, des enfants, des femmes ou des enfants ? Réponse, il y en avait tout, hommes, femmes et enfants. Question. Y avait-il des petits-enfants ? Oui, il y avait aussi des enfants. La population de cet endroit l'avait vu, tous, parce que c'était pendant le repas, et il y avait des centaines de personnes qui étaient là. Est-ce que parmi ces prisonniers, il y avait des chams ? Réponse, je ne sais pas. J'aimerais comprendre, est-ce qu'il y avait des centaines de personnes qui prenaient leur repas à la cantine de Saint-Bourg-Méas ou est-ce qu'il y avait des centaines de prisonniers eating at the Saint-Bourg-Méas dining hall or hundreds of prisoners? At the dining hall where I had a meal, there were about 100 people, une centaine de personnes environ, who had meal there. Qui y mangeaient. Et parmi ces personnes, est-ce qu'il y avait des gardes de sécurité qui travaillaient à la pagode de Wat Trakoun ? Among those people, I mean security guards working at the Wat Trakoun pagoda. No, there was none. No. Est-ce que vous connaissiez des membres des gardes de sécurité de la pagode de Wat Trakoun ? Any security officers from the Wat Trakoun pagoda? No, I did not. Non. Est-ce que vous connaissiez un dénommé Mun
qui habitait apparemment à Sambomeas. The name Moon does not ring a bell. Moon, ça ne me dit rien. Bien, eh bien, je crois que je n'ai plus de questions à vous poser, monsieur le témoin. Very well, I don't think I have any further questions for you, Mr. Witness. President, thank you. Merci. The chamber now hands the floor to Council Copper. Maître Copper. Who wishes to provide a submission in response to the submission by the co-prosecutors requesting to hear new witnesses. Tendant à faire comparaître de nouveaux témoins. That is a document submitted by the co-prosecutor yesterday. I refer to document E366. Council Copper, do you have the chance to do so? Maître Copper, vous avez maintenant la parole. Thank you, Mr. President. I'd be very happy to do so. However, I myself only have 5 minutes of questions to the witness. I believe, if I'm wrong, I'll be mistaken, surely. The Kusumpandim has also not many questions. So I think it would make more sense if I finish my questions and then have the witness go, and then I will come with my submissions. It's also maybe better for the witness. Mes arguments, et je pense que c'est mieux pour le témoin aussi. President, thank you for the information. Oui, merci, and of course, we grant you your request. Certainement. You may proceed now. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. Witness. As I said, I only have very few questions for you. Let me first start with the very last question that was put to you by Judge Laverne about a man called Moon. You said you had not heard of such a person with that name. Can you think a little bit more about Moon, possibly a security guard at Wat Outrakoun? Moon, does that ring a bell? The name Moon does not ring a bell at all. Moon, ça ne me dit rien. Because I did not go there, so I did not know him. Je n'y suis pas allé. No problem, Mr. Witness. Earlier, you were also asked a question about something that Seng Sorun had testified to. You called Seng Sorun in your answer a soldier. Do you know whether Seng Sorun was also a palm tree climber? I do not know about that. And actually, at that time, I had not known him yet. He worked separately from where I worked. Il travaillait à un endroit autre que le mien. I only got married at that time, and Seng Sorun never stayed at home because he was a soldier. N'était pas à la maison car il était soldat. Just to be sure, I'm asking you a question about early 1977. Do you know perhaps whether Seng Sorun at that time was a member of a palm tree climbers unit working close by? Vous souvenez-vous donc que si Seng Sorun était peut-être un grimpeur de palmiers qui travaillait non loin de Wat Outrakoun? I was not aware that he climbed palm trees. And as you understand, climbing a palm tree was a different task from plowing the field, which was what I did. My next question
Mr. Witness, is something that you said in your statement, English page 4, English N0025-1015, French 0034-2665, and Khmer 00243101. You said in answer to the question as follows. The question is, why was this area where your house was, why was this area a forbidden area used for security? And then you answered, because the Outer Gun Pagoda was used as security office. And just a bit before, you said they didn't allow people to live in the village. Can you explain that a little bit? Was there some kind of security parameter around Wat Outer Gun where people or villagers were not allowed to go into? Dans lequel les villageois, les gens alentours n'avaient pas le droit de pénétrer? If you talk in terms of the premise of the pagoda, which stretches for about 700 to 800 meters. C'était à peu près 700 à 800 mètres. S'étendait sur à peu près 700 à 800 mètres. So there was a perimeter of 700 to 800 meters around the pagoda where people were not allowed to come. But was there an extra perimeter in such a way that they, as you said, did not allow people to live in the village? Qui était tel que l'on ne permettait pas aux gens d'habiter dans le village? Do you mean the outside the premise of the pagoda? À l'extérieur de l'enceinte de la pagode. Talk about the external parameter of the pagoda, it means that actually the parameter of the premise of the pagoda reached the riverbank, and that area was also restricted. So allow me to clarify, to the north of the pagoda was the riverfront, and to the south it was a pond. Au sud, il y avait un étang. But what was the width and the length of the total perimeter around the pagoda? Was that about 800 meters? Quel était le périmètre In length and in width? Or can you be a little more specific as to to what distance people were not allowed to approach the pagoda? À partir de quelle distance de la pagode les gens n'avaient plus le droit d'aller? Answer. I cannot tell you about that matter. I am not able to tell you. Je ne suis pas en mesure de vous le dire. But down town. All I know was that from the river bank up to the compound of the pagoda, that area was not allowed. Jusqu'à la pagode, c'était une zone interdite. Walk or trespass into. On n'avait pas le droit d'y pénétrer ni d'y circuler. Thank you, Mr. Witness. Last question. Je vous remercie, Monsieur le Témoin. You have been answering some questions already in relation to the arrests of your adopted brother Tol and Lim Srun. You also mentioned one of your cousins, Yu Hao. And you said that you said that those three family members were arrested along with their entire families. Can you describe that a little bit for me? How did you know they were arrested with their entire families? Qu'ils avaient été arrêtés avec toute leur famille. Well, Lim Srun was the 17th
April person. Lundström était quelqu'un du 17 avril. Howe was a base person as for Toll. Quelqu'un du peuple de base. Toll was also the 17 April était people. Aussi du 17 avril. Person rather. And my aunt and uncle were base people. C'était des gens du peuple de base. And just to be clear, they weren't Cham, they were Khmer, is that correct? Ils étaient Khmer, c'est exact? Answer. While I was having meal, I saw them. Repas, je les ai vus. But my question was, they weren't Cham, is that correct? They were Khmer like you. Ils n'étaient pas Cham, ils étaient Khmer comme vous, c'est exact? Bah. Answer, yes, you are right. And how many children were arrested with, together with Toll, Lim Sroon and Yu Hao? Answer. Yu Hao was alone at that time. Lim Sun came with 8 children at that time. And Toll had 8 children with him at that time. My aunt had 6 children at that time. My uncle had 7 children. As for Ain, quant à Ain, they had 4 children at that time coming with them. They were related to my parents' side, and I cannot recall relatives of my mother's side. And all those children that you refer to were also not Cham children, is that correct? Answer, yes, that is correct. Now you said that they were arrested. Is it also possible that they were part of an evacuation from one place to another? Qu'ils aient fait partie d'une évacuation d'un endroit à l'autre? Answer. They were arrested from their base areas. Ils ont été arrêtés depuis leur zone de base. They were living in Angkoban village where they were arrested. C'est là qu'ils ont été arrêtés. Have you ever heard later, maybe after 79, why these family members with their wives and children had been arrested? What was the reason for their arrest? Membres de votre famille avec leurs enfants avaient été arrêtés. Avez-vous appris quelle était la raison à l'origine de cette arrestation? Answer. I do not know about that. Je n'en sais rien. Were there other occasions or other circumstances during which you saw Khmer people being arrested, including their family members, including children? Avec les membres de leur famille, y compris leurs enfants? Answer. I cannot give you the prediction. I was staying in my house, so I did not know what else happened at that time. Je ne pouvais pas faire de prédiction. J'étais chez moi. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Fell, I came back to my home village. During the regime, I was assigned to grow vegetables and plow the field. I had to be responsible for cattle in the tied to 2 yokes, and I did not know what happened.
beside my work. My last question, Mr. Witness, assuming for a second that you were right in what you said you saw, is it correct that when Khmer people were arrested, it could happen also that they were arrested together with their spouses and their children? And that wasn't something typically for the arrest of Cham. C'est-à-dire que ce type d'arrestation n'était pas propre uniquement au Cham. President, please hold on, Mr. Whitney. You may now proceed. International Deputy Co-Prosecutor. Your Honor, I think it's a slightly unfair question because the witness said previously that he was unable to say whether or not Khmer people and their families were arrested. So it's really based on a premise that the witness hasn't put forward. If I may respond, Mr. President, I think the premise of the questions of the prosecution today was that he himself was a very active member of the longsword militia. That's true or not? I think, based on his experience and his knowledge of a particular period, I should be able to ask this question. Your Honor, the only problem with that is that he answered it in the previous question, saying that he was unaware of seeing other Khmer families and children other than the ones that he knew. The international deputy co-prosecutor is overruled. Mr. Witness, if you recall the last question put to you by Counsel Kobe, you can now provide your response. And if not, you can ask the counsel to repeat the last question for you. Do you recall the last question, Mr. Witness? Witness, I cannot recall it, Mr. President. Let me repeat it for you, Mr. Witness. I just asked you some questions about the arrests of close family members. You confirmed that they were arrested in the company of their spouses and children. Have you ever seen other arrests of Khmer men together with their spouses and children? And do you know whether this was something that in your period could also happen to Khmer and not typically to Cham families? I have never seen my family were arrested together with the entire members. As I told the court earlier, I was assigned to plow the field on another side of the river. I never spent time at my house in the village. Et je ne passais jamais de temps dans ma maison au village, président. Well, it is now time for the short break. The chamber will take a short break from now until 3 p.m. Court officers, please find a proper room for the witness during the break time, and please invite the witness together with the duty counsel back into the courtroom at 3 o'clock. The court is now in recess.